60e édition de Liège-Bastogne-Liège, 246 km au programme de cette doyenne, le 21 avril 1974. On va assister tout d'abord à une sélection à l'avant de la course grâce au travail des équipes Mick et Watney. Et donc devant, on a 8 coureurs qui ont constitué pourtant loin de l'arrivée le groupe de tête. Il y a De Wit, Pintens, Braque, Delisle, Van Mark, David, Panizza et Walter Planquin. L'objectif était de distancer des coureurs comme Mertens, De Vlaeminck, Kuiper, Godefroot, Pollentier, etc., etc. Puis deux coureurs vont s'extraire du groupe de tête, Ronald De Witt et George Pintens. Leur avance va augmenter jusqu'à quasiment 2 minutes. On sait qu'avec ce genre de sprint, on va se la jouer finaux. Le plus rapide, c'est De Witt. Malheureusement pour lui, il va être déclassé pour un contrôle antidopage. Delisle et David subiront le même sort. Et vous voyez donc que le classement est un petit peu chamboulé avec la victoire de Pintens devant Walter Planquin